bien, salut tout le monde, c'est XDK des sous 5 geeks. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Alors comme vous voyez, je me suis killé, c'est tout à fait normal parce que j'ai eu un fail de record et je voulais vous montrer un peu là où j'ai spawné. J'ai pas remis le jour à zéro, mais bon, voilà. Sim, je sais plus. Enfin bref. Donc on se retrouve. Alors j'avais pas du tout envie de refaire mon intro. Diction que j'avais fait à la vitesse, enfin en vitesse grand V pour le retour. Alors pourquoi, vous allez voir maintenant. Alors là pour le coup j'ai vraiment pas envie de recommencer le map. Il y en a qui vont me dire, je sais qu'il y a des rageux qui vont me dire dans les commentaires, ouais tu te l'es givé. Non, je l'ai pas givé, de toute façon je vous montre, j'ai rien givé du tout, j'ai juste eu ça. J'avais même pas le succès faire l'inventaire pour vous dire. J'ai eu vraiment de chance. Alors, j'ai mis tout mon stuff dans un coffre. Et ce que j'ai eu, c'est ça. J'ai eu deux diamants, je me suis fait une épée en diams. Ça. Et ça. J'ai eu tout ça dans le coffre. Et ça, en plus. Vous imaginez la chance de coucou que j'ai. C'est un truc de malade. Donc du coup c'est pour ça que j'ai pas voulu recommencer. Parce que j'ai vraiment vraiment trop de stuff. Ça m'est arrivé que pour la première fois. Donc je le garde. Alors oui j'ai le... Disons que maintenant avec les Minecraft craqués qui sont en 1.8. À part Ascension qui va bientôt passer en 1.8 il me semble. Je sais plus. On a les skins de Jean-Kev mais féminin. Donc ça tape la honte. C'est... assez spécial pour le coup. Là, je peux l'avouer. Bon. Ok, j'ai envie de dire. Donc, on se retrouve pour, comme vous l'avez compris, Red Devil saison 2. Alors, là, bah ça... La journée a bien avancé. Donc, comme vous voyez, bon, c'est pour ça que j'ai pas voulu recommencer. J'espère que vous m'en voudrez pas pour ça. J'ai trouvé que j'avais trouvé une trop grosse trouvaille pour recommencer depuis le début. Donc voilà. Alors je me suis installé ici. Alors j'ai encore rien fait, j'ai pas encore miné. Donc voilà. Alors je suis un petit peu enrhumé, je m'en excuse pour ça. Mais du coup avec l'épée en diams et tout ce qui s'ensuit, ça va être beaucoup 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 plus facile de miner. Alors il me manque juste du charbon, ce que j'avais dans la première génération de map que j'ai fait, mais c'était une île qui était paumée au milieu de nulle part, il n'y avait aucune source de nourriture à part les pommes, mais les pommes c'est assez rare quand même de les looter, donc c'était un peu chaud, donc voilà. Là j'ai des moutons, j'ai tout, vraiment tout, pour être nickel. Regardez, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette génération? Alors j'avais jamais vu ça, écoutez. Assez spécial. On va ramasser les petites carottes. Je ramasse pas encore les patates. Parce que si jamais on chope une empoisonnée, on est pas dans le caca. Enfin, je peux les jeter, bien sûr. Je les mange pas, mais... Non, je veux pas me tuer, déjà, dès le premier épisode. Pas comme j'avais fait dans la saison 1. J'étais mort 3 fois dans l'épisode, il me semble. C'est assez spectaculaire. J'aime pas avoir des lapins ici. Surtout celui-là qui me fait flipper. Celui-là, là-bas. Celui-là, ça doit être un petit... ouais, je vais peut-être rentrer à la maison. Du coup, aller miner. Là, j'ai pas trop le choix. Disons que j'ai pas de laine. Je pourrais aller buter 3 moutons en vitesse, mais ça... Ouais, c'est risqué, mais je le fais quand même. Allez. Hop. Je veux avoir de la laine. Une déjà. Deux avec le bloc que j'avais posé là-bas. Hop. Il me faut... Un troisième mouton. Ils se cachent tout le temps. C'est assez fort ça. Ça va pas tarder à spawner. J'aime pas ça du tout parce qu'il y a une grande forêt derrière, mais il y a pas un mouton qui traîne à le là. Hop, vas-y, c'est bon. Hop, on se casse. On se casse, on va faire un lit direct. C'est l'entrée de ma maison, elle est là. Voilà, ils se sont tous planqués dans ma maison. Ah oui, mais j'ai même pas de quoi éclairer. Mauvais, mauvais, mauvais ça. Bon, du coup, attendez, il y a combien de torches? Vous croyez que... Attendez, je vais aller voler une torche par exemple ici. Je l'ai eu, ouais, je crois. Pour ma maison.
Disons que c'est pour les villageois, quoi. Pour pas que ça spawn. Hop. Non, pas ici. Je vais pas le mettre ici, je vais mettre ici. Voilà. Au niveau de l'éclairage, on descend à 10, 9, 10, 10. Ouais, c'est bon. Là, on est nickel, on est spawn proof. 9, 10, 10. Ouais, c'est bon, on est spawn proof. On peut se faire le lit tranquillou. Donc on va commencer. Alors je sais pas trop la durée des épisodes. Ça pourrait, ça varie, je pense. Donc on va dormir. Quoi, je peux pas dormir? Ah si, c'est bon. Donc ouais, on a 5 minutes. On va dire que les épisodes vont durer une bonne demi-heure. Facilement. Ah, il y avait des zombies. Zombie villageois? Non. Oh, lui, il va se faire zombifier, lui. Je m'attends au pire. Là, ça me gêne un peu. Le problème, c'est que si je tue le villageois... Oh, c'est mort. Il va se faire zombifier. Et voilà. Il va se faire zombifier. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des autres... ça a pas l'air d'être trop zombifié là-dedans. Oh, par contre, ça court après, là. Des cages. Voilà. Ça a l'air d'aller. Ils ont assez bien survécu, je pense. Oh, il y a un creeper là-bas. Creeper kamikaze. Mouton kamikaze aussi. Ah ouais, pourquoi pas. Ça a pas l'air d'être trop zombifié dans le coin. Ça, c'est cool, ça. Ah, creeper kamikaze est descendu. Alors lui, il va me péter tout le village, je le sens bien. Voilà. Cette épée en diam, ça sert vraiment bien. Donc on va manger un petit coup. Et on va pas tarder à les miner. Alors ma crainte, c'est d'avoir des mini bébés zombies. Enfin des bébés zombies. J'ai horreur de ces petites créatures là. Enfin, pour moi ils servent à rien. En bref. Ouais, par contre, tu vas te barrer de ma mine, d'accord? Non? Bon, bah, je vais miner là. Ouais, ces villageois sont un peu cons aussi. On va aller détruire peut-être des maisons après. Est-ce que j'ai assez pour me faire une pioche? Largement. Je peux m'en faire même une en fer. Ça, ça va aider, ça. Franchement, là, ça m'aide grave. Bon, on va miner cette cobble-là, écoutez. Je vois pas pourquoi je devrais pas la miner. Peut-être qu'en haut on aura une belle vue du village quand même. Alors, comme vous voyez, je fais pas d'ellipse parce que bon, c'est peut-être une aventure que vous avez déjà pour la plupart déjà fait. Mais moi, c'est la première fois que j'en fais une vraiment solo. Bon, à part Red Devil saison 1, mais bon, c'était ça tournait au désastre. Hein. C'était tout simplement du grand n'importe quoi. À la fin, c'est... Bah, disons que la série a fait qu'un épisode, donc bon. C'est vrai que c'est pas trop cool. Je vais essayer d'être régulier, notamment 2 épisodes par semaine, peut-être. Au grand maximum, voire un épisode par semaine, peut-être. Sachant que, comme je l'ai dit dans mon vlog, il me semble, je l'ai dit, je n'ai pas cours le mercredi. Ça m'aide pour tourner, notamment pour Red Devil. J'avais comme projet de le reprendre, ça c'est sûr. Je voulais le reprendre. Bah écoutez, je pense que j'ai plutôt bien fait de le reprendre. J'espère que ça va vous plaire. Malgré ce retour un petit peu tardif. Donc on a déjà de la pierre qui va nous servir à faire un four. Et une pelle et une hache. C'est tout. C'est tout. C'est littéralement ça. Alors, je ne sais même plus où qu'elle est ma maison, elle doit être là-bas. Ah, j'entends un zombie, c'est ça qui me fait flipper. Mais où, je ne sais pas. C'est ça qui me fait flipper, écoutez, pour le coup. Mais je sais pas où qu'il est, mais il est là. Bah écoutez, notre ami là, je pense qu'on pourra le renommer quand on aura un même tag, je pense. Ce serait assez sympa. Donc on va peut-être faire un petit four pour commencer. Je sais que les débuts avec moi sont très 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 très, très longs, mais bon, je pense que ça c'est beaucoup plus fun pour vous à regarder. Et puis voilà.
Donc, on va miner tranquillement, sans se presser, franchement, il n'y a pas besoin, je pense. J'espère que vous entendrez pas trop la péloche. Bon, attendez, au cas où, je préfère faire les conditions de sécurité. Problème résolu. Enfin bref, j'espère que je vais pas tomber non plus sur des silverfish, ça me ferait chier, vraiment. J'ai pas de torche par contre, ça c'est un peu blasant. J'ai pas de torche et c'est vrai que j'ai pas de quoi en faire. Donc j'ai. Est-ce que j'ai une hache en cobble? Logiquement, vous devrez pas entendre. What? C'est quoi ce bruit que j'entends? Bon, enfin bref. J'espère que ça vous dérangera pas. J'espère que vous l'entendrez pas. Je vais peut-être mettre une petite musique en fond. Ouais, pourquoi pas. Attendez, c'est ce que j'ai. Re, donc je pense que ça ira mieux avec une petite musique de QB. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Donc, on va aller miner quelques petits bouts de bois. Notamment en détruisant ça. Ça, c'est pas mal pour se faire du bois, notamment pour du charcoal. Ça peut toujours aider. Alors, ouais, là, il y a de la flotte. Pas une bonne idée, là, ce que j'ai fait. Je vais reboucher ça avec de la dirt. Hop, voilà. Une bonne petite musique de QB, ça. Ça fait pas de mal, vous me direz. Alors, bah, franchement, l'épisode, il va peut-être être ennuyant pour vous. Je suis désolé. C'est le début de l'aventure. Mais bon, le but, c'est comme à la saison 1, c'est de construire le maximum d'usines qu'on peut, d'automatiser pas mal de trucs. Alors, je vous dis déjà, j'arrêterai quand j'aurai envie d'arrêter. C'est-à-dire, pas l'épisode 100. Si je dois faire une saison 3, je ferai une saison 3. Ça, c'est pas le truc qui me dérange le plus. Donc, voilà. Notamment, je pense refaire une saison 3 si jamais il y a la version 2.0. Ce qui m'étonnerait quand même, ça arrivera dans pas mal de temps, mais bon, restons confiants. Alors, on va faire cuire tout ça. Donc, je vous ellipse ça parce que c'est très très chiant. Ah, quoique. Allez, on va faire autre chose, je pense. On va faire autre chose, on va attendre que ça cuise. Tranquillou, on va. Il est midi, on va récolter un peu de bouffe. C'est bon, j'ai pas détruit. Ça a pas bien poussé ici, hein. Mais j'entends un zombie et ça m'inquiète. Mais où? Je ne sais pas où qu'il est. Et j'ai l'impression que je m'en rapproche. Je m'en rapproche. Ah, il doit être. Non, il est pas là. Je sais vraiment pas où qu'il est. Là-bas, il y a le mouton. Bon, je sais vraiment pas où qu'il est, le zombie. Étonnant, c'est qu'il est pas brûlé et que je ne le vois pas. Honnêtement. Bon. On verra. Ouais, donc comme vous voyez, j'ai aussi refait un peu mon pack de textures, notamment pour la stone brick, pour le gravel, pour le sable. Et je pense que d'autres blocs devraient arriver, hein, du style la cobble. ETC, alors je vous remettrai une petite update quand il sera fini. Comme vous voyez, enfin comme vous avez pu le voir, il y a une petite update qui a été fait pour le ciel. Il y avait quelques bugs là-dessus. Je pense que je vous l'ai déjà dit, je ne sais plus. Je ne sais même plus. Ouais, bon. On va récolter de la bouffe, comme je disais. Donc, on va pas tourner en rond. Disons qu'il n'y a pas beaucoup de blé, j'ai l'impression. Il y en a 6. Il y en a 6. Là-dedans, il y en a 2. 3. Il y en a vraiment pas beaucoup. 4. Ouais, on a un pas en plus. Youpi. Youpi. Franchement, youpi. Peut-être plusieurs pas en plus. J'ai l'impression qu'ici ça pousse mieux que là-bas, de côté. Bon. Peut-être. Alors, pas de patates empoisonnées, pas de patates empoisonnées, toujours pas ici. Oui, parce que quand j'ai spawné, j'avais une patate empoisonnée. Enfin, une patate empoisonnée qui était dans le village. Ah, le v'là. Ah, lui, il est chiant, lui. Donc, il était là-dedans, apparemment. Je sais pas où qu'il était, franchement je sais pas. Mais en tout cas je l'ai entendu et.
Bah, j'ai empêché de tuer les autres villageois, quoi. Donc, je pense que là, ça tue bien cuir. Ouais, on a qu'un charbon de bois, c'est nickel. On va pouvoir se faire quelques torches. J'ai plus que ça. Ouais, c'est pas non plus le truc le plus bien. On est à 60 torches. Bon, ça devrait aider pour aller miner. J'ai combien là? J'ai 8 patates, 17 carottes et 16 blés. On va transformer ça en pain. On va fermer ça. Faudrait qu'on le ferme le truc. Donc notre ami Bob sera peut-être mort, qui sait? Je sais pas. Hop, donc on va fermer ça au cas où, comme ça on n'aura pas de zombies ou quoi que ce soit qui pop derrière nous. Ça serait plutôt dérangeant, je pense, pour la suite de l'aventure. Alors, je vais laisser le F3 allumé pour voir la lumière. Quand est-ce qu'il faut que je mette une torche, par exemple? Ici, je sais qu'il faut que j'en mette une. Hop, je descends assez bas pour trouver quelque chose. Là, logiquement, il n'y avait pas besoin. 9, 8, ici, il y en aurait besoin. Mais enfin, bref, vous voyez un peu ce style, quoi. J'essaye de miner, de me faire quelques équipements en fer, quand même. Et puis, voilà. Alors, je pense qu'on achèvera là-dessus, hein. Après, résultat du minage, de toute façon, je vais pas aller miner trop loin non plus aujourd'hui. Parce que c'est une aventure suivie, je le rappelle. Donc, j'ai enlevé le F3 parce que ça peut devenir chiant. J'utilise peut-être beaucoup de torches, quoique j'en ai utilisé que 4. J'ai descendu pas mal de couches quand même. Donc, du charbon, ça fait du bien. Pour notamment miner, ça peut être cool. Ah oui, ou le gros filon. Vraiment le gros filon là. Ça c'est cool. Je vais mettre une petite torche là parce que j'ai l'impression que ça va tout le temps se poser. Luminosité, ouais, je la fonds. Peut-être la luminosité de mon écran qui est pas très très bien réglée, peut-être. Je sais pas. Mais en tout cas, je vais peut-être mettre le chrono ici. En bas. Voilà. Vous voyez à peine, logiquement. J'espère que ça gênera pas trop. Je vais peut-être le mettre pour que vous voyez. Hein. Hop, on va mettre une petite torche ici. Et là, franchement, le gros filon, ça va pouvoir nous faire cuire pas mal de choses, du style les patates et tout au team. Alors, c'est vrai que des villageois, j'aimerais bien en garder. Ouais, quand même, 36 charbons, ça rigole pas quand même. Ouais, donc on va reboucher avec de la cobble, comme ça on peut repartir tranquillou. Hop, voilà. Alors ici, on saura qu'il y avait un petit peu de charbon. Donc on va continuer. On va manger une petite carotte. Notez que je n'ai pas encore mangé de viande animale depuis le début de l'aventure. Ça serait pas mal. D'ici le prochain épisode, je pense fixer un petit peu des petites limites. D'ailleurs, on pourrait peut-être creuser à la pioche en cobble, quoi, parce que là c'est vrai que j'use un petit peu moins pioche en fer pour rien si jamais je trouve des diams. On va remonter, on va faire ça, on va changer de truc. Alors sachez que bah logiquement il y aura un upload qui sera en préparation. Alors ouf, j'ai peur là, c'est la nuit. Enfin, j'ai peur pour les villageois en fait, vu que c'est la nuit. Bon, logiquement ils peuvent pas péter à ma porte et puis ils peuvent pas péter le bloc, donc ça devrait aller. Y a quoi là-bas? Oh, un joli creepy, magnifique. Ouais, donc on va se crafter tranquillou une petite pioche en cobble, ça peut toujours aider. Donc comme ça on n'utilise pas la pioche en fer. Alors j'espère que je sens des petits lags, moi personnellement. Je sais pas que ça enfin j'espère pas que ça sera trop fort pour vous non plus. Parce que bon, j'ai envie que mes vidéos soient de qualité quand même. Et bon, j'ai un très très bon PC, hein. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que la carte graphique depuis la 1.8, elle a un peu du mal à suivre. Pareil, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont remarqué. Les FPS sont beaucoup beaucoup plus bas qu'avant. Oh là 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 là.
Heureusement que je suis pas tombé là-dedans. Ça me semble chaud là. Je me sens pas trop prêt pour aventurer une caverne. Au pire, on fera ça au prochain épisode. Qu'en dites-vous? Parce que là, franchement, les cavernes, c'est pas mon truc favori. Ouais, donc on va reboucher, on va mettre, je sais pas, des escaliers, tiens, pour marquer que c'est une caverne. Voilà. Je pense qu'on va remonter, qu'on va finir là-dessus. C'est pas un épisode qui a été très joyeux quand même. Oh, quoi qu'on pourra aller buter quelques mobs là. Mais disons que. Ouf. Ah oui, il y a du zombie d'erreur. Ah, je crois qu'ils ont modifié tout là. Je vais dormir. Petit coup. Allô, tu veux bien dormir? Bon. Faut cliquer là. Ah oui, faut cliquer sur le bas du lit. Chose que je ne savais pas. Donc, comme vous voyez, j'ai fait un slash kill hein, au début de l'épisode, je vous l'ai dit. Alors là, il risque d'avoir du monde. Hein. Ah, il n'y a plus aucun villageois. Il n'y a plus aucun villageois. Si, il y en a encore un. Ouh, ça me fait flipper ça. J'ai l'impression que tout le monde s'est transformé en zombie. Ah non, ça va, il y a encore un petit peu de monde. Ouais, il y a encore un petit peu de monde. Ouais, il y a du monde là. C'est bien. Ça, c'est cool. On va aller. Ah, une araignée, hop, on va aller la buter. Ah, pas de fil, c'est dommage. J'aurais bien voulu un arc pour m'aventurer dans cette caverne. Ah ouais, là il y a du monde là. Où il y a du monde? Non. Pète pas. Pète pas. Oh putain. Où il y a du monde là? Non, touche pas à mes villageois. Touche pas à mes villageois. Voilà. On va aller se faire. Oh là, il y en a vraiment un paquet. Il y en a vraiment un paquet. Hein. Hop. Non, tu touches pas mes villageois. Voilà. Bah, je pense qu'on va finir. On va finir cet épisode là-dessus. Je vais regarder si ça a pas looté. Non, ça a pas looté, c'est bon. Ouais, donc je pense que les villageois tiendront pas trop longtemps. On va essayer de garder quand même le max. Donc je pense vous laisser ici. Donc. Je pense qu'on va prendre la miniature ici. En même temps. Double F5. Voilà. Nickel. Ouais, par contre, le skin me dérange un petit peu. Bon. C'est pas grave. Je vais essayer de prendre une photo un peu de l'environnement. C'est un peu dur. Bon, c'est pas grave. Le skin, ça me dérange un petit peu, mais c'est pas grave. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des j'aime, des commentaires et à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Oh tiens, j'ai oublié lui. Ouf, viens là. Ouais, non, j'ai pas pris deux screenshots, c'est pas ça qui m'intéresse. Non. Je me suis encore trompé de touche. Un petit creepy pour la fin. Ouf. J'ai eu chaud là. Bon, sur ce, je vous dis à plus.